بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous allons continuer notre cours de Tajwid. Aujourd'hui, c'est le cours numéro 3. J'invite ceux qui n'ont pas vu les cours numéro 1 et numéro 2 à les voir avant ce cours, parce que notre série de cours sont liées et il faut donc savoir ce que nous avons vu dans le cours précédent. Alors, au cours précédent, nous nous sommes arrêtés sur donc Makharij al-Huruf et nous nous sommes arrêtés sur la langue. Nous avons vu donc juste un bref rappel avant de continuer. Aqsam al-lisan, les divisions de la langue. Nous avons vu trois zones principales, donc Aqsa al-lisan, la zone la plus éloignée, Wasat al-lisan, le milieu de la langue, et Taraf al-lisan. Ensuite, nous avons dit qu'il y a aussi Hafat al-lisan, donc Hafatay al-lisan, les deux côtés de la langue, et aussi le Hafa, on a dit que ça peut se diviser en deux parties, donc le côté le plus éloigné et le côté, le bas côté ou le côté proche. Ensuite, nous avons vu, donc nous avons commencé par voir les lettres donc qui sortaient de Aqsa al-lisan. Nous avons dit qu'il y avait deux lettres, donc pour deux makharij. Il y avait makharaj al-qaf, al-qaf, et après le kaf, al-kaf. Les deux lettres sortent de Aqsa al-lisan, hein. Et nous avons vu que pour le qaf, donc c'est avec le hanak al-lahmi, et le kaf, c'est entre le hanak al-lahmi et le hanak al-azmi. Donc je vous invite à revoir ça, je ne vais pas refaire le cours, sinon en fait ça fera que de la révision, donc on n'avancera pas. Après, nous sommes passés à wasat al-lisan. Wasat al-lisan, nous avons vu donc huruf al-jayish, les trois lettres, al-jim, wa-shin, wa-liya, al-ghayr maddiya. Ensuite, nous avons vu makhraj al-dad, al-dad, alladhi yakhruju min ihda hafatay al-lisan, un des deux côtés de la langue, aw kilahuma, ou les deux au même temps, ma'a ma yuqabiluhu min al-adras, avec ce qui fait face des molaires. Ensuite, nous avons vu harf al-lam, et nous avons dit que ça sortait de adna hafat al-lisan, c'est-à-dire donc le côté bas de la langue. Donc c'est le côté qui est autour de taraf lisan. Nous avons vu des illustrations à travers donc des vidéos de la chaîne de Iqra, ma'a Ayman Souid, hafidhahullah. Et donc nous allons continuer aujourd'hui pour voir les makharij al-mutabaqiya fi lisan. Le point de sortie du noun se situe juste en dessous du point de sortie du lam. Donc si la personne dit al, en fait s'il dit an, il va se rendre compte qu'en fait la langue va descendre juste en dessous du point où la langue a touché le palais pour faire le lam. Et concrètement, en fait le noun sort min taraf al-lisan ma'a ma yuqabiluhu min al-latha min al-hanak al-a'la. Donc c'est le bout de la langue avec ce qui fait face du palais supérieur, en fait de la zone juste au-dessus des racines des dents, c'est-à-dire la base des dents vers la gencive. An. Donc vous voyez sur l'image en fait le point de sortie de noun. Alors quand on dit an, en fait on a donc cette partie-là de la langue de taraf lisan, et aussi en fait on a un son qui sort de al-khayshoum, de la voix nasale. Donc le noun, c'est un ensemble en fait de deux choses. Donc la partie donc de la langue, donc le bout de la langue qui va venir toucher donc ce qui fait face, et le son qui va sortir de la voix nasale. Donc ces deux ensembles là forment le son n qu'on entend. Le point de sortie du ra se situe
donc dans taraf lisan, le bout de la langue, ma'a ma yuhavihi min al-litha, avec ce qui fait face de litha, la gencive, donc le palais supérieur, juste sur la racine des dents. Donc ça fera ra, ri, ro. Concrètement, pour la position de la langue, on a trois façons, dont une qui est juste et les deux autres sont fausses. La première façon qui est fausse, c'est le fait de laisser trop d'espace entre la langue et le palais supérieur. Donc ceci va faire sortir un son ra qui est vague. Donc ça fera Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim, par exemple. Donc là c'est faux, c'est pas la bonne façon. La deuxième façon qui est la façon qui est correcte, c'est le fait de coller donc la langue tout en laissant une petite ouverture, hein, que vous voyez là. Donc dans cette ouverture, il y aura donc une partie de son qui va sortir, ce qui va dégager la pression qui est derrière la langue et qui va permettre de sortir le bon son. Donc ça fera ça c'est la bonne, le bon son de la lettre ra. Cette ouverture en fait permet de pas créer trop de donc de pression derrière la langue et du coup empêche la vibration importante de la langue. Cette vibration importante qui est à éviter en fait qu'on appelle tikrar ou takrir. Tikrar ou takrir. Et en fait c'est ce qu'on va voir donc dans la troisième façon de sortir le ra qui est fausse. Et en fait ce takrir ou tikrar se produit en fait lorsque on vient coller complètement la langue au palais supérieur sans laisser la petite ouverture, ce qui fait qu'on aura trop de pression derrière la langue. Donc à un moment donné en fait la langue va basculer, il y a un premier ra qui va sortir, ensuite on va remettre la langue à sa position, donc pour rebloquer encore, la pression augmente, donc le ra, il y a un deuxième ra qui va ressortir, et ainsi de suite en fait, jusqu'à ce qu'on produise en fait la vibration continue de la langue, et ça va faire le son Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim. On sent trop, donc il y a trop de ra qui sort, et ça c'est ce qu'il faut éviter lorsqu'on sort la lettre ra. Une dernière chose concernant la lettre ra, donc la lettre ra fait partie des lettres qui peuvent être emphatique ou aiguë. Emphatique, c'est-à-dire la lettre grave. Aiguë, donc c'est la lettre fin. La lettre fin, donc si vous voyez les images qui sont à gauche, grave, c'est à droite. En termes de position du taraf lissin, du bout de la langue, c'est la même chose, que ce soit la lettre aiguë ou la lettre grave. Donc, makan al-qara' wahid, la position où la langue vient toucher, c'est la même. La différence se situe en fait sur la forme de la langue. Vous voyez donc à droite, pour le ra mufakhama, la lettre emphatique, il y a une courbature de la langue et la racine de la langue revient en arrière et également l'issin al-mizmar. Vous pouvez faire un essai ra, ra, vous sentez que la langue revient en arrière et l'issin al-mizmar également. Contrairement à une lettre normale, on va dire ri, ri. Ré, ré. Là, la langue reste dans une position normale et simple. Le point de sortie de ta, de dal et de ta se situe en fait de taraf lisan ma'a usul al-thanaya al-ulya. Al-thanaya al-ulya, nous avons dit que c'était les deux dents. Vous les voyez entourés là. C'est les deux dents. Usul al-thanaya, c'est-à-dire c'est manbat al-thanaya, c'est l'endroit où commence à pousser ces deux dents. Et vous le voyez donc sur la flèche, sur l'image, le point où la langue vient appuyer. Donc ça fera atta, atta, atta. Ça c'est pour le ta. Pour le dal, ad, at, c'est pareil en fait. Le dal, le ta, le ta, ils sortent tous de taraf lisan ma'a usul al-thanaya al-ulya. La différence entre le ta, le dal et le ta, c'est l'arrière de la langue, c'est aqsa lisan qui se gonfle pour le ta
et en fait qui reste normal pour le del et le ta, comme vous le voyez sur les images. Otre, otre, ad, at, ad, at. Donc là, vous voyez que taraf lisan, c'est la même position, c'est juste l'arrière de la langue donc qui se gonfle pour le ta. Otre, otre, ad, at. Maintenant, on va passer sur les trois lettres, le sad, le sin et le zay. Tout d'abord, la lettre sad. La lettre sad et la lettre sin et la lettre zay, ils ont le même point de sortie. Le point de sortie, ça correspond donc au bout de la langue avec la face inférieure des deux dents inférieures, thanaya as-soufla. Donc on avait vu tout à l'heure thanaya al-ulia, les deux dents supérieures. Maintenant c'est les deux dents inférieures, vous le voyez sur l'image. Os, os, os. Et en fait le son, donc il passe, donc vous voyez la forme de la langue, et il passe en fait entre thanaya al-ulia ou thanaya as-soufla. Il passe entre les deux dents inférieur et les deux dents supérieures. Os, os. Il va venir, en fait, c'est le son qui va venir. Il rentre en contact avec les deux dents supérieures et il vient. Il peut pas passer en bas. Il touche les dents inférieures et il peut sortir. Donc les deux dents supérieures aussi participent au son sad. Sauf que il faut faire attention à une erreur qui est répandue, c'est le fait de croire qu'il faut que le bout de la langue touche les deux dents supérieures. Ça, c'est faux. Apparemment, dans certains livres également, c'est enseigné ça. Mais il ne faut pas. Donc, le bout de la langue touche uniquement les dents inférieures. Une autre erreur qui est répandue aussi, c'est le fait de dam shafatain, de sortir les lèvres quand on fait la lettre sad. Donc on va faire os, os, et en fait ça fait que en fait on va sortir un son qui est faux. Dès que les lèvres travaillent, on va sortir un son qui est faux. Le sad, le sin et le zay, c'est des lettres qui sortent uniquement de la langue avec les dents, donc il n'y a pas les lèvres qui y sont avec. Dernièrement, donc le sin, le zay, donc c'est pareil, c'est le bout de la langue avec la face inférieure des deux dents inférieures, comme pour le sad, sauf que c'est la forme en fait de la langue qui diffère. Donc on fait s, et donc là on va voir par la suite juste donc la différence de forme entre la langue quand il s'agit de prononcer le sad et quand on prononce le sin et le zay. Concernant taraf lisan, c'est la même position, mais l'arrière de la langue pour le sad il se gonfle, hein, et également la langue prend une forme particulière. On passe maintenant aux trois lettres va, wa, tha, wa, dhal. Alors, tout d'abord le va. Le va, ça sort de taraf lisan, le bout de la langue, avec le bout des deux dents supérieures, donc la tête de la langue avec la tête des deux dents supérieures. Donc c'est ce que vous voyez sur la flèche. Donc ça fait av. Il y a deux erreurs à éviter. Donc soit laisser trop la langue à l'intérieur, là vous voyez que c'est à l'intérieur, ou alors la sortir à l'extérieur. Donc des deux cas là c'est faux. Il faut faire le juste milieu. Donc il faut laisser la langue qui vient juste, le bout de la langue vient juste toucher la tête des deux dents. Donc c'est ce que vous voyez là sur l'image. Av, av. Et vous constatez que l'arrière de la langue se gonfle. Pour les deux autres lettres qui partagent le même point de sortie, savoir le val et le tha, c'est donc ça sort de même chose. Donc vous voyez la flèche, c'est taraf lisan, le bout de la langue, ma'a taraf athanaya al-ulia, avec le bout des deux dents supérieures. Donc ça fera av. F. Allavina an'amta allavina fajjaja husnu thawab. Le zal et le tha, donc ils ont le même point de sortie que le va,
La différence, c'est, vous voyez à l'arrière de la langue, en fait, la yartafi'a. Donc, il se aqsa al-lisan, la yartafi'a. Donc, il se gonfle pas l'arrière de la langue. Et on va voir donc sur l'image d'après une comparaison entre la forme de la langue pour le va et pour le zal et le fa. Vous voyez, pour le va, donc l'arrière de la langue se gonfle, et également un peu lisan al-mizmar recule aussi en arrière. Concernant la tête de la langue, taraf lisan, c'est la même chose, que ce soit le va ou que ce soit le zal et le fa. Donc c'est l'arrière de la langue qui diffère. Voilà. Avec le zal, le fa et le va, on termine, bi'aounillah, le point de sortie des lettres qui sortent de la langue. Et maintenant, on passe à shafatan. Shafatan, il y a quatre lettres qui sortent du chafatin pour deux points de sortie. Deux points de sortie pour quatre lettres. Les lettres, c'est le fa, le waou, le mim et le ba. Pour les points de sortie, alors il y a l'intérieur de la lèvre inférieure pour le fa. Vous voyez, je l'ai mis en couleur. C'est la première lettre. Donc c'est le bout des dents supérieures avec l'intérieur de la lèvre inférieure. Après, pour le waou, donc c'est shafatan. Pour le mime, c'est pareil, c'est shafatan. Et pour le ba, c'est shafatan. On va voir maintenant en détail chaque lettre. Premièrement, la lettre fa. La lettre fa sort de batin shafa soufla, c'est-à-dire la partie intérieure de la lèvre inférieure et le bout des dents supérieures. La partie inférieure de la lèvre, en fait, la partie intérieure, c'est la partie qu'on ne voit pas. Donc la partie qu'on voit, c'est Zahir Shafa, et la partie inférieure, c'est Batin Shafa. Donc ça fait F, Fa, Fu, Fi. Maintenant, on passe à la lettre Waou. Le Waou sort Mina Shafatain, des lèvres, et باستدارة الشفتين أو بانضمام الشفتين وارتفاعها et aussi le fait qu'il s'avance vers l'avant. أو و et il s'accompagne également un gonflement de la langue. Vous faites le test. أو و oui. Ça c'est pour le واو qui est متحركة الغير المادية. Pour le واو qui prolonge, on a déjà dit en fait que le waou qui prolonge, ça sort de jaouf. Et Ayman Soued dit que dans le cas du waou de prolongation, les lèvres travaillent aussi, mais elles travaillent moins que pour le waou ghair al-maddiya. Le ba, ça sort de shafatayn, ça sort bi intibaq shafatayn ma'a ba'dihima, c'est-à-dire la pression des deux lèvres entre elles. Ab, ba, bou, bi. Et regardez la langue ne bouge pas. C'est la lettre ba, c'est une lettre chafaouia, c'est juste les lèvres qui travaillent. On passe maintenant au dernier point de sortie qui est le khayshoum. Le khayshoum, c'est la voix nasale. Le khayshoum, en fait, il y a un seul point de sortie, donc c'est la voix nasale. On va prendre l'exemple de la lettre mime. La lettre mime, on avait déjà dit que ça sortait des lèvres, donc ça sort par fermeture des lèvres. Lorsque les lèvres en fait se ferment, donc le son se retrouve bloqué, donc il ne peut plus passer. Qu'est-ce qui se passe? Donc il contourne et il va repartir par la voie nasale. Donc vous voyez les flèches et ça va sortir un son en fait qui sort des voies nasales qu'on appelle runna. M, ma, mou, mi. Donc le son qui sort de la voie nasale, c'est un son qui vient compléter le son qui est bloqué par les lèvres et ça va nous donner la lettre mime. Le runna concerne deux lettres. C'est la lettre mime et la lettre noun. Pour la lettre mime et la lettre noun, il y a toujours cette runna qui sort des voies nasales. La ronna ou le son qui sort du nez ne concerne que la lettre noun et la lettre mim. Les autres lettres doivent sortir
de la bouche. Et l'erreur qu'on voit et qu'on entend souvent, c'est le fait que les gens, quand ils récitent, ils essayent d'embellir la récitation. Et pour ce faire, en fait, ils essayent de sortir toujours un son du nez. Par exemple, ils vont faire Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc, tout le temps dans la récitation, il va accompagner en fait la récitation avec cette nasalisation de la récitation. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Ainsi s'achève notre troisième cours donc sur les points de sortie des lettres. Donc ainsi donc on a vu on va dire toutes les points de sortie: الجوف, الحلق, اللسان, الشفتان, الخيشوم. Et la prochaine fois inshallah on attaquera صفات الحروف, les caractéristiques, les attributs des lettres, qui est un cours aussi très très important. Et voilà, donc si je dis quelque chose de juste, ça vient de Allah, et si je me suis trompé, ça vient de moi-même et de Shaitan. In asabtu fa min Allah wa in akhtatu fa min nafsi wa min ash-shaytan. Astawdi'ukum Allah alladhi la tadi'u wada'i'uhu. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا.